Aujourd'hui, nous répondons à la question d'une lectrice qui se demande comment se partagent les pouvoirs en matière d'immigration entre Québec et Ottawa et que peut espérer le gouvernement Legault des demandes sur l'immigration qu'il a récemment présentées aux chefs des principaux partis fédéraux. La Coalition Avenir Québec a fait de l'immigration un enjeu fort de la dernière campagne électorale. François Legault promettait d'abaisser le nombre d'immigrants admis et de bonifier les services d'intégration et de francisation. Son gouvernement a donc cette année fixé à 42 000 le nombre maximal de nouveaux arrivants. Le seuil était de quelque 51 000 l'an dernier, un chiffre qui était relativement stable depuis 10 ans. À la mi-septembre, M. Legault a voulu aller plus loin en demandant aux chefs des principaux partis fédéraux l'équivalent des pleins pouvoirs en matière d'immigration. Il faut d'abord savoir qu'au Canada, l'immigration est une compétence partagée entre les gouvernements provinciaux et le fédéral. Et le Québec est la province qui détient le plus de pouvoir sur son système d'immigration. Dit simplement, le Canada fixe le nombre d'immigrants qu'il veut accueillir sur son territoire, le Québec fait le même exercice, et le gouvernement fédéral, en vertu de l'accord Canada-Québec, doit en tenir compte dans sa propre planification. Cette entente, entrée en vigueur en 1991, visait surtout le maintien du poids démographique du Québec au sein du Canada. La plupart des immigrants qui s'installent au Québec sont des immigrants de type économique, c'est-à-dire des personnes choisies en fonction du marché du travail, comme les travailleurs qualifiés par exemple. L'an dernier, la province a accueilli un peu plus de 29 000 immigrants économiques sur un total de 51 000 nouveaux arrivants. Ce volet d'immigration économique est géré par le Québec. Le fédéral, pendant ce temps, gère le volet des réfugiés, ce qui inclut les demandeurs d'asile, et le volet de la réunification familiale. Donc, par exemple, dans le cas des migrants qui ont traversé de manière irrégulière la frontière canado-américaine par le chemin Roxham, c'est pas Québec qui va décider s'il reste au pays, mais bien Ottawa. Parce que la détermination du statut de réfugié, c'est une compétence fédérale et ça, ça ne changera pas. Parce que là, ça relève des frontières, des conventions internationales, etc. Donc, ce serait vraiment très surprenant que le gouvernement fédéral se décide de se départir de cette responsabilité-là qui est quand même au cœur de ses compétences-là. Si la CAQ a baissé les seuils annuels d'immigration depuis son arrivée au pouvoir, elle compte dès l'an prochain les relever progressivement. Tout en tirant vers le haut la proportion d'immigrants économiques, le but du gouvernement est que ce taux, qui a été de 57 % en 2018, atteigne 65 % en 2022. Mais pour y parvenir, Québec doit avoir la collaboration d'Ottawa ou espérer obtenir de sa part un plus grand contrôle sur l'accueil des différents types d'immigrants. Fait à noter, la proportion d'immigrants économiques admis au Québec a chuté dans les dernières années, une baisse qui est liée à l'augmentation du nombre de réfugiés admis au Canada en 2015, année de l'arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau. Qu'ils soient des immigrants, des réfugiés ou parrainés par la famille, le gouvernement de François Legault veut le feu vert d'Ottawa pour décider seul du nombre de nouveaux arrivants qu'il va accueillir. Québec voudrait aussi fixer lui-même les conditions avant d'accorder la résidence permanente. Ces conditions comprendraient un test de français et un test de connaissance des valeurs québécoises. Autre promesse phare de la CAQ. Québec veut en outre gérer complètement le programme des travailleurs étrangers temporaires. Le Québec accueille en effet une immigration que l'on dit temporaire, ce qui inclut à la fois étudiants et travailleurs étrangers. Aucune cible n'y est rattachée, mais le gouvernement Legault y voit là une solution potentielle pour s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Le Québec occupe le champ de compétences en matière de formation, de gestion de la main-d'œuvre, etc., dans le contexte de la Fédération canadienne présentement. Et ce serait une extension logique, à mon avis, de permettre à Québec de gérer l'ensemble des programmes de travailleurs temporaires qui viennent s'installer au Québec. Ceci dit, ils vont devoir passer par l'obtention d'un permis de travail fédéral pour l'admission. Parce que le Canada qui autorise les gens à venir au Canada, que ce soit de façon permanente ou temporaire, et ça, à mon avis, ça ne changera pas. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, s'est d'ailleurs dit ouvert à ce que le gouvernement du Québec gère seul son programme de travailleurs étrangers temporaires. Sans aller jusque-là, la NPD prône plutôt une réforme du programme. Quant au test de français de valeur québécoise que veut instaurer François Legault, le premier ministre a reçu un accueil plutôt tiède des chefs fédéraux. Seul le Bloc québécois l'appuie complètement. En ce qui a trait d'abord à l'évaluation du français, les autres partis restent vagues, à l'exception du Parti vert du Canada, qui est en faveur. Le NPD veut plutôt élargir les programmes de francisation en bonifiant les transferts fédéraux. Pour ce qui est du test des valeurs, tous les partis, outre le Bloc, s'y opposent sur le fond. Le Parti populaire du Canada propose néanmoins que chaque candidat à l'immigration rencontre en personne un fonctionnaire canadien pour qu'il soit notamment jugé de son acceptation des valeurs canadiennes. Voici donc l'essentiel à comprendre sur l'immigration au Canada et au Québec. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse questions au pluriel @commercial-ledevoir.com.